Yonel, bébé. Mais c'est Yonel. Enfin, t'as les plaquettes à changer. Oh non, le tonton technique. Bonjour, bienvenue sur les tutos de Romain de VTT La Palma. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à changer les plaquettes avant sur un étrier SLX. Donc voilà, moi j'utilise toujours des systèmes D. C'est ça que j'aime. Voilà. On va passer au démontage. Donc, alors, voilà. On va changer les plaquettes. Donc on va mettre cela de chez Shimano. Donc en premier, on va enlever la goupille. Voilà, goupille enlevée. On va enlever sa roue. On va venir pousser ces plaquettes. Sans abîmer les pistons, bien sûr. Voilà. Et on tire. Voilà. Ouais, elles étaient bien mortes. Fallait les changer. Vous avez R qui veut dire droite, right. Et le L qui veut dire gauche, left. Donc, respectez bien sûr la droite et la gauche. Donc, quand vous êtes sur assis sur votre vélo, le R sera à droite, right, et le L sera à gauche, left. Respectez ce sens au montage. Donc voilà, alors la plaquette va venir se monter comme ça, voilà, là, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, comme ceci. Donc, on a mis ces plaquettes, on les pèse et on pousse. Voilà, on pousse. Et après, on vient mettre la tige à l'intérieur. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter votre roue. Voilà, c'était les tutos de Romain. Je vous ai montré comment changer des plaquettes de frein. La prochaine vidéo sera peut-être un JT, on verra bien. En attendant, ça freine. Et restez confinés. Merci. Ciao.